Ça se rapproche de la perfection. Steward. Steward. Oh, autant pour moi. Mille excuses. Et puis, je suis toujours accompagnée de Paul au micro à la technique, qui assure également la technique. Bonjour, Paul. Ça va? Oui, tout à fait. Oui. Ah, ben moi, ça. Eh bien, bien sûr, moi. Très, très bien. En tout cas, les amis, en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver enfin après un mois de passé en vacances. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, sur Facebook, bien sûr, sur Instagram, et bien sûr, sur notre chaîne YouTube aussi, que vous pourrez découvrir cette émission aussi, qui est filmée en direct, hein, aussi bien sur Facebook que sur la chaîne YouTube. Alors, vous pourrez nous suivre et puis justement découvrir qui est Harold Sward, bien sûr. Et puis, sans oublier le numéro de téléphone, vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment, parce que c'est votre radio, au 05 96 768, pardon, 268. Et voilà, bon, j'ai tout donné, j'ai tout annoncé. Oui, pour ceux qui préfèrent les chiffres 2 par 2. Voilà, et bien sûr, nous allons commencer avec une chanson aussi pour vous dire combien mon compte en oiseaute. Justement, nous allons commencer avec l'artiste dédié, compte en oiseaute, et on se retrouve juste après avec notre invité, Harold Sward. Tu connaissais? Non, je crois pas. Bah, ça m'a plu, j'ai vu ça pendant les vacances. DDK. C'est DDK. Ça me fait. Je crois que. J'ai déjà vu. Qu'il fait de la musique. Il a commencé en 2016, je crois, je me semble. Comme j'ai vu sur les. Parce que DDK, ça me vient plus comme si il était sur une compil raga ou un truc comme ça. Oui, parce qu'effectivement, il a commencé sur. Avec une maison de disques, justement, qui fait du raga. Je pense que. Celle-là, il a sorti. Et là, il a sorti ça cet été. Donc. Ouais, ça pourrait correspondre. Le flou, mm-hmm. Ouais. Je connaissais pas. J'ai dit, je découvre plein d'artistes pendant les vacances. Ben, je vais ramener ici. Ouais, vous écoutez. C'est ça. Tranquillement. Voilà. Il y a beaucoup d'artistes africains aussi. Mais il y a une tendance. Ouais, afrobeat. La plupart sont des Nigériens, la plupart. Ça défère, hein. Comment? Ça semble être une déferlante. Ah, exactement, tout à fait. J'ai même trouvé une pépite entre Haïti et l'Afrique, le Tchad. Ah ouais. C'est vachement bien. Ouais, ça se roule et puis ça. Ouais. Ce sont des succès qui se succèdent. Voilà, très bien. Et ça marche bien, ah, et ouais. C'est entraînant. Et... Oui, lui, cet été, j'ai passé longtemps quand même pour voir qui est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui pourrait passer ou pas. C'était la manière de vous dire que je suis contente de vous voir, donc content oiseaute. C'était dédié, content oiseaute. Ouais. Moi, je ne connaissais pas du tout, c'est là que j'ai découvert. Bah voilà. Ça te rend pas, très sympathique. Voilà. Moi aussi, finalement, que je connais, que je découvre tout juste. Hein. Donc voilà, ben, on va découvrir justement un autre artiste qui nous accompagne durant cette heure, Harold. Bonjour à tous. Voilà, alors comment vas-tu? Alors, comment,
qui es-tu? Qui est Harold? Ben, comment tu comment te présentes? Oui, comment je me définis? Ben, comme un habitant supplémentaire, quoi. La Terre, c'est-à-dire que bon, je vis, j'évolue, j'ai certes des passions, donc ces passions, notamment la musique, l'écriture, et donc je, en fonction des événements, des possibilités, des humeurs, donc je m'exprime, soit en écrivant, soit en chantant, en réagissant à l'actualité, puisque la plupart du temps, c'est une réaction. Dans tes textes, tes aspirations viennent essentiellement, pas essentiellement, mais... Enfin, pour peu que je me sente concerné par un sujet, je n'hésite pas à l'aborder, puisque les mots sont là pour me le permettre. L'inspiration fait qu'on trouve un air sympathique. Deux, trois accords à la guitare, ça peut inspirer ou décourager, parce que parfois le découragement guette. Donc la guitare reste là pendant trois jours, trois, quatre jours, voire semaine. Et puis voilà. Après, ce sont des périodes de déclic. Voilà, même aussi pour ceux qui écrivent aussi dans le trouble de la feuille blanche. Ah ben oui, le syndrome de la feuille blanche. Voilà, comme certains écrivains. C'est plus grave hein, qu'on le pense, hein, ça, c'est déprimant. Mais non, mais après, on revient vite. Bien donc entendu. On se ressaisit vite. Et... On la noircit, quoi. Voilà. De mots. Et après, on lui met en ordre. Oui, voilà, ça fait une voilà, satisfaction. Voilà, tout à fait. Alors, dis-moi, je sais que tu fais de la musique, tu es auteur, compositeur. Et j'ai longtemps hésité sur le troisième élément, l'interprétation. Alors, je me suis dit, dois-je me définir comme un interprète, puisque en m'écoutant, je ne sais pas si je me serais retourné sur le fauteuil ou pas. Ah oui, en référence à une certaine émission. Oui, ça. Tout à fait. Donc, oui, mais par la force des choses, c'est auteur, compositeur, interprète, puisque jusqu'à maintenant, auteur, donc j'écris, compositeur à la musique, et j'interprète jusqu'à ce que d'autres personnes m'accompagnent ou me remplacent. Donc, pour le moment, c'est ça. Donc, tu as les trois casquettes importantes. Voilà. Ouais, eh bien, si tu nous interprètes une de tes chansons. Eh bien, oui, voilà, je vais le faire. Et puis, comme j'ai sollicité votre contribution. Ah, ben, ça va être un plaisir. Parce qu'en fait, le sujet, voilà, nous sommes tous concernés par le sujet qui va suivre. Hein, donc, c'est payer. Payer. Combien il y a qu'à payer. Donc, comme on dit, la liste n'est pas exhaustive. Donc, j'ai pris quelques éléments. Donc, la voiture, les factures, la toiture. Les chaussures, les fournitures et aussi la confiture. Quoi. Il faut payer tout ça. Ça va être chouette. Alors c'est parti. Moi je t'accompagne au cœur. Au cœur, pas de soucis. Je ferai au mieux. Yeah.
D'inspiration payée, pourquoi pas, ça coule de source. Voilà. Mais c'est bien, j'aime bien, c'est entraînant, c'est sympathique. On paiera tous désormais avec le sourire. On va essayer. Ah, oui. D'accord. Oui, mais pourtant... Si vous savez ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça, exactement, tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci, c'est encourageant. Et c'est ce genre d'initiative qui permet à beaucoup d'artistes effectivement de pouvoir sortir un peu de l'ombre, de s'exprimer, de partager. Exactement. Et justement, en parlant de ça, est-ce que durant les vacances, tu as pu justement t'exprimer sur scène ou dans d'autres radios? J'ai eu l'occasion de le faire il y a quelques années. Maintenant, je m'étais consacré à autre chose, mais pendant les vacances, j'ai toujours ma guitare. Donc certaines personnes ont eu l'occasion de me voir à côté de la plage à Saint-Cloud, en bas, au pied bras, voilà. Ah. Donc c'est là, en fait, c'est là ma scène pour l'instant. Ah, c'est tout aussi bien, c'est simple, hein, et puis les gens viennent t'écouter. Ils vont te voir, voilà. Alors. J'apprécie aussi la discrétion, mais à un moment, il faut pouvoir s'exposer. Oui, aussi pour pouvoir se faire connaître, parce que quand on est habitué, il faut quand même que le monde se reconnaisse. J'ai eu l'occasion de le repréciser. Ben oui. De le reconnaître, de se faire connaître aussi. Merci. Donc voilà, ça va. Donc tant mieux si tu as pu de modestement t'exprimer. Voilà, merci de me donner l'occasion. C'est avec grand plaisir. Ça marche. Et donc voilà, on va écouter encore quelques notes de musique. Hein. On va écouter, qu'est-ce que vous avez prévu d'écouter aujourd'hui? Ah ben, il y a beaucoup de choses, c'est vrai. Ah ben, on va aller voir Gloria Estefan, parce qu'effectivement, c'est leur anniversaire à Gloria Estefan, à l'âme. Un des jumeaux des Bee Gees, je sais pas, tu connais le groupe Bee Gees? J'en ai entendu parler, mais pas suffisamment pour voir de qui voilà. Parle. Voilà, c'était une là, la fête du samedi soir. Okay. Bon, c'est celle qui a marqué le plus, hein, en fait, compte. Donc c'est un des jumeaux, parce qu'il y en a un qui est décédé, mais l'autre c'est son anniversaire également aujourd'hui. Ah bon, on va rester dans la Caraïbe, hein. Alors on va rester à Cuba, on va écouter Gloria Estefan, Mi Tierra. C'est parti. Et moi, tu sais, au début, j'étais tellement bête. Quand j'ai regardé l'émission télévisée, et puis on me disait, bon, mais on va vous présenter Gloria Estefan. Ah, tu t'es dit, ben. Alors, je vois Gloria arriver, mais. C'est après que j'ai compris que son famille était Estefan. Oui. Ok, d'accord. Non, mais après, on a des trucs comme ça. Moi, dans le temps, ma mère avait un disque, c'était Gustavi Camus. Et puis il y avait la petite fille qui chantait Maman, dépit ou pas? Oui, ouais. Ben, au début, je n'avais même pas trop compris son nom. Hein.
Moi, c'était vite, c'est ça? Non, oui, c'était vite la fille. Oui. Mais je n'avais même pas saisi que le prénom de la chanteuse, c'était Gustavie. Mm-hmm. Au début, je pensais même que c'était un homme qu'on présentait, ouais. Gustave Hickam. Ouais. Mm-hmm. Donc, on n'a pas entendu une bêtise. Voilà, c'est ça. C'est un longtemps après j'ai compris que Gloria et Stéphane, c'était une seule et même personne. Je me dis, ah, d'accord. Donc, c'est une anecdote comme ça qui reste et qui est sympathique. Oui, oui, après, c'est pas méchant. Non. Pas du tout. Il m'est arrivé plein de trucs comme ça. Hein. On était en visite. J'étais en France, hein, parce que j'ai vécu pas mal d'années en France. Et on a visité le château de Vincennes. Bon, j'étais sur Vincennes 1, Vincennes 2, je sais plus. Et puis, il y avait les mannequins. Mais les mannequins étaient tellement bien faits, c'est habillé d'époque et tout. Mm-hmm. Et puis là, je suis là devant, je suis en train de leur parler. Alors, comment vous faites pour rester des heures? Je dis, oh la honte. Je dis, oh la honte, mais ce sont des mannequins, ils étaient pas bons. On a le droit de se tromper. Comment? On a le droit de se tromper. On découvre les choses. C'est tellement bien fait, et la tenue d'époque, et puis même la poupée, enfin le mannequin. C'est un dommage que tu m'en aies au travail accompli. Exactement, mais c'est du travail. Hein. Ouais. Il faut reconnaître aussi que les particuliers. Alors après, alors, t'as la chanson, t'as cette chanson, t'as une autre chanson aussi à nous. Oui, j'ai une autre chanson, mais je vais demander si on voit. Bon, si tu veux, entre temps, on va parler du livre. On va t'avoir là-dessus. Et puis après, on va basculer sur le livre de chant, histoire de remettre comme vocal. On reprend un petit peu. Comme en fait, il y a 2-3 jours, là, c'est une petite affection grippale. Oui. La fille n'est pas trop forte, en fait. Non, je pense qu'on sera. Ouais, mais ça fait du bien d'avoir des artistes, tu sais, qui, comme toi ou comme d'autres, hein, qui sont dans ton cas, qui n'est pas venu dans les bons. Après, les grandes radios, ils ont forcément leur habitude de oui, sont des artistes puis, connus. Après, c'est une question d'étape. Hein, oui, après, il faut être prêt aussi. Il faut être prêt aussi à se reconnaître en tel, et puis oui, après, à aller. Voilà, matière à présenter. Mm-hmm. Le plus souvent, l'artiste est précédé par ce qu'il a fait. Oui. Donc, oui. S'il va se monter un truc, ça a déjà tracé un peu la voie. Un peu sa route, ouais, on va dire. Donc, une fois qu'il n'a pas encore sorti. Ouais, c'est différent. Pardon. Comme moi, si jamais je sens un truc, c'est sûr que ça sera différent, parce que ça fait un travail en amont, tu. Mine de rien. Oui. Talentueux ou pas, les gens, s'ils ne te connaissent pas, on découvre ton talent, mais pour le découvrir, il faut que tu sois déjà là, qu'on t'a déjà invité. Ouais. C'est ça. Eh bien voilà, c'était Gloria et Stéphane toute seule, que c'est la seule et même personne. Donc je me demandais toujours quand elle était à la télé, Gloria et Stéphane. Je dis oui. Gloria, mais Stéphane est où? Donc c'est longtemps avant que j'ai compris que c'était et Stéphane, son nom de famille. Donc c'était la seule et même personne. Donc voilà, nous sommes toujours dans les Bilingues FM, toujours avec notre invité Harold Stewart. Et nous allons poursuivre aussi, de découvrir l'artiste, hein, toujours. Mmh. Alors tu ne fais pas que faire de la musique. Il paraît que tu as aussi une plume, une belle plume. Ouais, une plume. Une plume big, quoi. Ouais. On va dire ça comme ça. Comme j'en ai mentionné effectivement tout à l'heure, l'écriture, donc j'ai déjà pour composer, il faut écrire, oui. Écrire une histoire, écrire. Donc même avant la musique, j'affectionnais déjà l'écriture, la lecture. Donc j'ai eu l'occasion d'écrire beaucoup et pour d'autres personnes et finalement j'ai pu compiler certains de ces écrits pour produit l'ouvrage que j'ai sorti en 2014, auto-édition, un ouvrage d'anecdotes où je parle de choses vécues ou observées, et un peu comme les fables de La Fontaine, il y a une petite morale à la fin. Voilà, donc,
Surtout que le titre du livre, Livraison à domicile. Alors, le dire comme ça ne signifie pas grand-chose, mais il faut voir, effectivement, ce sont des mots. Donc, livre, ensuite raison, ado, nos chers ados, miss, notre genre féminine, et puis il. Donc, livre, raison à domicile, chaque mot signifiant et a une signification pour donner une livraison, quelque chose qu'on n'a pas forcément commandé. Donc, on est surpris lorsque l'on sonne à notre porte. Mais il nous appartient de saisir cette paix qui nous est gracieusement offerte. Tout à fait. Donc, quand on donne, il faut savoir recevoir. Oui, tout à fait. Il faut, même si on est surpris, après une rapide analyse, on se dit tiens, ce serait peut-être judicieux d'accepter. Voilà. Donc, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir derrière. On ne sait pas, mais c'est de bon augure, manifestement. Voilà, bah, c'est bien. Donc tu as tout fait tout seul en fait. C'est vrai que c'est un domaine qui m'était connu, donc il a fallu que je fasse des recherches sur internet, sur la pagination, comment ça se passe, que j'ai plusieurs modèles de livres en main, comme je vois un peu comment ça se passe. Et puis il y a quelqu'un qui m'a fait la couverture, toujours avec mes instructions, ce que je voulais. Et puis voilà, ça a donné ce travail, ce résultat. C'est un travail de longue haleine, surtout quand entre les fichiers perdus, entre l'inspiration, la fameuse page blanche. Les pages blanches m'ont fait avoir des nuits de la même couleur. Des nuits blanches. Tout à fait. Donc après, mais est-ce que tu as pu avoir de bons retours sur ton ouvrage? Alors, ici, on fait bien vendu, chaque vente était bien. Maintenant, je ne sais pas si on peut appeler ça bien vendu, mais c'était d'abord l'occasion pour moi de relever un défi, de vivre une expérience intéressante, puisque j'ai pu rencontrer beaucoup de monde à travers les sujets évoqués, violence envers les femmes, sécurité routière, relations humaines. Et effectivement, j'ai encore des souvenirs de relations, de rencontres vraiment mémorables, on va dire. Donc, super. Et touchantes. Et touchantes, et que tu as pu mettre Et encore aujourd'hui, ce livre me permet d'avoir cet échange avec vous. Donc c'est parfait. Donc on va dire qu'il va être intemporel ce livre. C'est ça, il est déjà certainement, et puis me survivra, je l'espère. Ah, espérons, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter d'ailleurs. Voilà, donc je m'organise pour le rendre beaucoup plus accessible, et puis il y en a un autre en écriture, donc ce sera l'occasion de proposer, deux ouvrages pour le prix d'un. Il y a une promo. Oui, la promo, on peut se la faire soi-même. J'aime beaucoup vivre ce type d'expérience. Alors, certains pas mentionneront peut-être des échecs, mais c'est important d'avoir au moins une fois fait quelque chose de soi-même. La promo, comme ça, on voit les erreurs à ne pas commettre, etc. Et puis c'est toujours bon d'avoir de l'expérience. Bien sûr, mais même c'est en faisant des erreurs après qu'on corrige. Cette vision, on sait de quoi on parle finalement. Oui. Tout à fait. Ouais. Tu vas nous interpréter une autre chanson. Il y a les cœurs aussi, parce que j'ai bien envie de. J'étais inspiré. Voilà. Alors, la vie arrête. Ah oui. Il y a le bagage qui l'aide, mais il faut nous prier, faire volonté de Dieu. Donc, c'est un peu. Ce refrain-là est un peu plus compliqué. Bon, on va te suivre en rythme. D'accord. Donc, c'est parti. C'est parti. Thank you.
La vie à Rennes, donc on l'exprime, on peut l'exprimer comme ça, en chantant, et que ça soit bon, malgré tout. Voilà, ouais, c'est comme on dit, avec un peu de... Avec la musique, ça passe un peu mieux, quoi. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est moins difficile, on va ça dire. Ça permet à ceux qui l'expérimentent, de, à leur tour, de pouvoir tenir, quoi. Ouais. Parce que dans la plupart des situations difficiles, nos ancêtres l'ont connu. Oui, oui. C'est la musique, ouais, c'est le tambour, tout à fait. L'expression qui permettait et qui permet encore de tenir. Ouais. L'expression, la danse, parce que le tambour, voilà, c'est et ça, la danse. On l'exprime de différentes manières. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc, crier, chanter, ouais. Pleurer, ça oui. peut être des synonymes. Ouais. C'est ça. Voilà. Des fois, il faut voir tout ça à la fois. Absolument. Voilà. Tout à fait. Et justement, quand la musique, tu as appris très tôt la musique, tu avais quelqu'un dans ta famille qui était dans le domaine de la musique ou... Oui. Ou comment est-ce que tu es arrivé dans... Mon père écrivait déjà, composait. Mm-hmm. Et puis, dans le milieu, quand on fréquente une église, un temple, c'est vrai qu'on n'est pas très loin de micro, oui. jamais vraiment loin d'une guitare. D'un piano. Donc, c'est un membre d'un piano, oui. On s'en rapproche au point d'en faire son instrument de prédilection. Et puis, on avance. Alors, dire oui, ça fait 20 ans que je joue de la guitare, ça ne signifie strictement rien, puisque j'ai passé 20 ans à m'accompagner simplement avec les accords que je connaissais, à me concentrer sur l'écriture. Donc, je ne suis pas un excellent guitariste. Ah ben, en tout cas, tu débrouilles bien. Je me débrouille, c'est bien, c'est le moins adapté. Voilà, tu débrouilles plutôt bien, donc ça va. Voilà. Je n'irai pas faire le fanfaron à certains endroits. Oui, c'est sûr. Bon, après, tu peux quand même faire comme il y a des bars des fois qui font piano bar. Oui, tout à fait, j'ai l'occasion de le faire. C'est justement une occasion d'expression, hein, et puis pas de jugement. On a chacun notre un niveau de pratique. Mais ce n'est pas le niveau de pratique qui compte, c'est l'échange. L'échange, l'émotion. Voilà, ce qu'on apprend l'un de l'autre, même hors musique, quoi. Donc c'est un tout. C'est quelque chose, voilà. Donc on a pu faire ici en Martinique ou pas? Oui, j'ai l'occasion de faire la musique en Martinique, de faire partie du premier cercle de certains groupes hein, qui tournent encore. Donc ils ont trouvé un meilleur guitariste que moi. donc voilà, c'est une très bonne chose. Je regarde avec bienveillance, avec fierté les musiciens qui gravitent autour de moi, les musiciens martiniquais, et
j'en profite pour encourager chacun, peu importe son niveau, à continuer dans l'expression et ne pas se laisser compromettre par le star system, ouais. À moins que ce soit l'objectif. Maintenant, aussi, maintenant, ouais. Effectivement, c'est ça aussi. Mais il faut savoir être simple, humble, et puis jouer la musique parce qu'on prend du plaisir. C'est ce qui reste hein, à faire. Et pas forcément faire du chiffre derrière, quoi. Enfin, ce serait dommage que la volonté de faire du chiffre surpasse le plaisir. Ouais. Le plaisir soit là. Au-dessus. C'est sûr et certain. Donc c'est sûr. Donc on va écouter encore deux notes de musique et puis on se retrouve juste après. Ok, voilà, bah justement, on va écouter justement à des jumeaux, là, les Bee Gees. Après, je me rappelle plus si c'était la fille du samedi soir. Non, c'est la BO du film de justement avec John Travolta, Déhanché. Le titre c'est Sting, là, justement. Allez, c'est parti. Alors, boule à facette, c'est parti. Je crois que c'est de là que la carrière de Travolta a décollé aussi. Hein. Je crois que c'est à partir de là que la carrière de John Travolta a décollé. Des chansons comme ça, effectivement. Et lui, il chantait dans celle-ci, hein, John Travolta. Artiste accompli. Surtout avec la comédie musicale Grease. Avec Olivia Newton-John qui l'a quitté il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Ah, la voix perchée. Avec ma perruque des Louises. Tu peux bien accompagner la guitare? Ah là, c'est un peu. C'est compliqué. C'est un peu. C'est vrai qu'il y a la plupart des chansons qui, effectivement, ont l'appuyé sur la structure, mais là, il faut vraiment aller chercher les gimmicks, travailler. Alors que maintenant, t'es derrière un ordinateur et tu fais tous les instruments. Alors, derrière un ordinateur. Bon, après, certains, quand ils font des lives, après, franchement, leur envie n'est peut-être pas forcément tel. Je sais pas si on fait des lives. Oui, tu vois, ils vont aller chercher la perfection de. Ce qu'ils ont fait ordinateur, après. Tu vois bien que c'est autre chose. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut même pas essayer de reproduire à ce moment-là ce travail, il faut l'adapter. Je ne sais pas. Ça ne sera jamais. Ouais, c'est pas. Maintenant, j'ai vu des lives, j'ai vu avant de venir à un concert, Shaggy. C'est mi live, mi en fait déjà. Oui, parce qu'il y a DJ derrière. Il y a des écrans, le chanteur en même temps avec un mec sur l'écran, en fait, des trucs, tu vois ça. Ouais, c'est celui de tes bacs, j'ai rendu. Ouais, tout seul. Donc effectivement, quand tu as les artistes de dancehall, la plupart, c'est pas vraiment. Je veux dire, ce mélange, parce que la plupart, il y a toujours une DJ derrière. Je vois que de plus en plus, ils se font accompagner par des groupes live, quoi. Ouais. Qui adaptent un peu le truc, qui font. Qui essaient de justifier pourquoi ils sont là. Pourquoi il y a du temps, pourquoi il y a une masse, avant que c'est tout. Tout. Ouais. Ça derrière les platines, ça va tout seul. Ça. Mais
Et ben oui, nous sommes de retour, il est 12h42, sur DFM Martinique. Et nous sommes toujours à l'église en DFM, toujours accompagnés de Harold, que j'espère que vous appréciez, que vous appréciez les artistes, que vous les découvrez d'ailleurs, c'est comme moi-même, hein, du coup. Et vous appréciez justement ces deux chansons qu'il a interprétées tout à l'heure. Donc voilà. Alors dis-moi, est-ce que tu as pu accompagner d'autres artistes sur scène lors de leur prestation? Alors j'ai eu l'occasion de... J'ai été sollicité il y a quelques années pour faire la guitare sur un album qui est sorti depuis, l'album de l'artiste. Mmh. J'ai eu l'occasion effectivement d'accompagner des artistes pas vraiment connus, mais des artistes qui comme moi on est déjà artiste, mais bon, on comprend bien, voilà, des artistes accomplis dans le métier. Alors c'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir, et je pense plutôt à ceux qui pourraient m'accompagner lors de mes prochains déplacements. Voilà, ça serait bien, savoir deux ou trois artistes qui t'accompagnent dans tes tournées. Je mentionnais tout à l'heure des artistes martiniquais, il y a une pléthore d'artistes de talent, et mon objectif c'est de pouvoir moins travailler de mon côté, pouvoir sortir, produire des choses intéressantes, et avoir l'occasion de travailler avec ces artistes-là qui puissent m'accompagner, qui puissent vivre cette émotion avec moi sur scène. Ce serait, c'est déjà un rêve pas mal, non? Oui, bien sûr. C'est un très très bon rêve. Ouais. Ouais, d'autant que ça, depuis quelques années, je n'arrête pas de stocker des chansons. Quand je pensais ne plus avoir d'inspiration, mais elle est de nouveau venue. Mm-hmm. Donc, il serait peut-être temps de passer à des choses plus audibles pour le grand public. Ce serait sympa. Voilà, donc ça fait partie du projet 2023. Oui, justement. Voilà. Quels sont tes objectifs justement pour la nouvelle année? Ce serait peut-être de pouvoir travailler davantage sur les deux chansons que je vous ai proposées, afin que vous puissiez avoir une autre écoute et que justement les artistes martiniquais se battent pour pouvoir m'accompagner. Ah ouais. C'est moi. Je veux bien. À la batterie, donc pour l'instant, tu es uniquement à la guitare, mais quand ce sera fait, il y aura forcément. Oui, voilà, il y aura tout. Donc j'espère ne pas faire mentir à notre ami tout à l'heure qui parlait d'humilité, parce qu'il semblerait que j'ai dit un peu. Mais non, mais. Ça va toujours. Ça reste. Ok, je suis très brutal, donc il faut prendre les trucs à un autre degré. Non, mais c'est comme c'est un souhait, donc. Oui, bien entendu, voilà. Merci, voilà. Ça va... Oui, les rêves sont assez fous, parfois. Après, c'est avoir les moyens, la force, la détermination. Mais je sais, voilà. Ah oui, surtout en 10 ans comme ça, ouais, c'est déterminé. Moi, je suis déterminé, je veux y arriver. Et donc, je sais que ça passe par le travail, par la rigueur, et puis il faut se jeter à l'eau. Là, ce matin, je me suis jeté à l'eau. Elle était un peu froide. Ah, c'est vrai? Bon, ouais. Pourtant, la température des noix, là? Oui, c'est réchauffé. Mais c'est vrai que c'est pas évident dans la vie d'un artiste de. On le voit évoluer, c'est une évidence. Mais il a travaillé sa pratique, il a travaillé la relation avec le public, il a fait abstraction de certains nombres de choses, et j'espère être à niveau pour pouvoir proposer, travailler la voix, faire ce qu'il y a à faire pour faire plaisir. Parce que la légitimité, elle s'acquiert. Oui. On ne la trouve pas. Voilà, c'est clair. Voilà. Tout à fait. Donc, tu es encore dans le pays, tu restes encore. Je suis en vacances, je pars dimanche. Oh, déjà. J'étais là pour 3 semaines. Et j'ai répondu à une proposition qui m'a été faite, super d'ailleurs, donc je suis content de me retrouver là. Et donc je vais retourner, je vais continuer à travailler, et puis j'espère que mes prochains déplacements ici seront plus professionnels. Ah, j'espère aussi. Que farniente. Voilà, que farniente, voilà. Et justement, quand tu es en France, justement, tu fais des manifestations, tu te produis, pardon? J'ai eu l'occasion de rencontrer des amis guyanais, guadeloupéens. On a monté un groupe et nous avons eu l'occasion de faire plusieurs fêtes de la musique, de jouer dans des maisons de retraite,
pour des personnes âgées. C'était à chaque fois une expérience extraordinaire, donc toujours dans l'expression de la musique tranquille. Donc, il y a quand même un échange avec le public par toi. Oui, j'ai eu l'occasion de proposer deux ou trois de mes compositions. Donc, j'ai pu voir comment ça pouvait se jouer, s'appréhender avec d'autres personnes. Donc, c'est encore l'expérience, c'est matière à l'expérience. Ouais, c'est ça. Pour après, pouvoir produire. Oui, et puis être à son aise, parce qu'un artiste n'est jamais vraiment à son aise. Hein, comme là, je disais tout à l'heure. Là, je le traque un peu avant. Il y a toujours des choses. Alors là, vous observez que j'ai emmené les copies de mes chansons. D'ordinaire, je n'en ai pas besoin. Mais dans un cas comme ça, il faut se référer à une feuille non blanche. Dans ce cas, on veut, voilà. Donc, je n'ai pas encore tout à fait cette aisance et je la cherche, hein, qui me permette de me souvenir des paroles, des chansons, même quand il y a du monde, même quand la situation est différente. Donc, ça, tout ça, ça aide à. Voilà. À surmonter justement. Oui, voilà. C'est pour ça qu'un artiste, quand on le considère, il faut. Pas seulement qu'il vient là jouer au sein tellement que là il y a du boulot, il y a du travail sur soi, oui. Il y a du travail de diction, de plein de choses. Voilà. Des fois quand tu entends la chanson d'aujourd'hui, limite pour un décodeur, il faut un décodeur pour certains artistes, pas tous, hein. C'est ça. Mais certains artistes, c'est décodeur direct parce que tu ne comprends pas, tu as des nouveaux mots qui. Voilà. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais tous les jeunes de demain, ils savent déjà ce que ça veut dire. Là, ils vont être remplacés par d'autres, sur un prochain album, par d'autres mots, donc des fois c'est... Là, en ce moment, on est complètement dépassé, quoi. Donc, je veux revenir à des choses simples, je veux simplement exprimer les choses, et puis il y a ce travail de correction aussi, correction de son écrit, effectivement, pour est-ce que c'est juste, est-ce que ça se dit comme ça. Ah, j'avais trouvé des lignes super, mais malheureusement, le mot ne signifie pas ce que je pensais. Mais voilà, donc ça, voilà. Il faut faire autrement, il faut pouvoir. Donc c'est tout ce travail-là qui est intéressant. Alors, des fois, quand tu composes, des fois, tu as déjà le texte en tête et puis tu fais la mélodie dessus. Ouais. J'entends souvent ces questions et quand on interroge les artistes, je suis attentif à leurs réponses, puisque ça peut varier. Ça peut varier, il y en a qui vont n'avoir qu'une méthode de travail. En général, je suis inspiré par la musique. Je fais une suite d'accords, des accords que je connais, je fais un truc et la première phrase va déterminer les autres. Ouais. Donc je commence par. Des fois, ça vient simultanément. La musique et ce que j'ai à dire. Quoi. Ça peut commencer par un mot et puis c'est ah, tiens, ce mot-là, ben, ok. Partir là-dessus, c'est ce mot-là qui va donner le thème, qui va donner l'idée générale. Et puis il y a tellement de transformations qu'au début c'est bien entendu un peu brouillon, et puis on est satisfait de voir après ce que ça a donné. Surtout quand on connaît la genèse de la chanson, les turpitudes par lesquelles nous sommes passés, on se dit, il y a des chansons que j'ai écrites en 2 semaines. Il y en a d'autres qui, ça fait 2 ans, je suis sur une strophe là. L'aspiration ne vient peut-être pas tout de suite. Mais je fais une expérience extraordinaire. Une fois, j'écrivais une strophe et j'étais bloqué sur la deuxième phrase pendant 2 jours. Et finalement, la deuxième phrase, je l'ai mise en dernier. Et j'ai trouvé tout ce qu'il y avait entre. Donc, ça passe par là, par des essais, par des expérimentations. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça la musique, c'est. Le processus de création n'est pas simple. Non, pas du tout. On commence par la fin. Ouais, et c'est on finit par le début. Mais j'ai tourné 2 ans avec une chanson avant de m'apercevoir d'une anomalie. Je me suis dit, mais non, mais la strophe par laquelle je commence, il faut la mettre en deuxième. Il y a une note que j'ai écrite après, mais qui logiquement doit commencer la chanson. Mm. Donc voilà, un arrangement déjà. Voilà. Donc après, après, l'inspiration vient et après on arrive à ranger, à mettre dans le bon ordre. En fait, c'est comme un peu comme écrire un livre, en fait. Eh bien oui. Ce sont les mêmes questions. Après, on se dit, comment le public, maintenant que tout ça est fait et que j'en suis satisfait, est-ce que le public le sera aussi. Et là, on plonge dans une autre étape où c'est plus tellement le temps de le corriger. Quoi. Ouais, là, il faut se lancer. Hein. Et puis, ça passe ou ça passe pas. Oui, voilà. C'est ça. Eh bien, ouais.
Ben, c'est super. Donc nous, on va écouter encore quelques notes de musique. Hein, parce que, voilà, comme quoi, elle passe vite. Hein. Oh, ouais, après, c'est vite. L'atmosphère musicale, donc profitons-en. Ben, n'est-ce pas? Donc on va écouter, qu'est-ce qu'il nous reste à écouter? Ah ben tiens, ouais, tiens. On va écouter L'âme, une chanson de Michel Berger, que L'âme a repris, je vais chanter pour ceux. Alors c'est parti. Très belle chanson. Comment? Ouais. Super. Bon, après tu vas venir avec une dernière petite chanson, une petite improvisation, allez, que tu es bon en impro. Pour la petite dernière. Voilà, pour terminer en boîte quand même. Enfin, improvisation, non. On va aller chercher dans l'esprit ce qu'il y a de. Là, je laisse le temps de chercher. Ouais. Ouais. Ben oui, c'est une chanson que j'avais déjà jouée, en fait, sur la pollution, en fait, un peu. Sur. Ouais. Faire ça. Ouais, tu viens tout à fait. Ouais. Oh, sympa. Petit reggae. Ouais. Sympa. Pas trop cool. Ouais. Moi je sais une autre chanson, bon je vais le voir ce qu'il y a. Oui, oui, on va finir en beauté. Ben justement, oh ouais, ok, on va recouper. Qu'est-ce qu'il fait? Ben voilà, c'était L'âme qui chantait. Je vais chanter pour ceux, une reprise de Michel Berger, pardon. Et ben voilà, vous savez, l'émission passe très très vite, hein. On en a encore quelques minutes en compagnie de Harold. Ben, on va peut-être finir en beauté avec une petite improvisation, juste avant de retrouver justement les infos de Marc de la première. Alors qu'est-ce que tu nous proposes? On vient d'écouter une reprise de L'âme, mais j'ai adapté un morceau connu, on peut appeler ça une reprise, donc je vous laisse un peu découvrir. Allez. Ce que j'en ai fait. Ah, super, j'en ai tout oublié. Love.
En tout cas, voilà, mais notre émission touche à sa fin. Ça passe très très vite, une heure, malheureusement. En bonne compagnie, comme on dit, on s'en y va. Donc, en tout cas, merci à toi, Rol. C'est pour ça que j'ai prévu à 60 minutes. Ça, ouais. On avait pris sur le plus long, mais bon, c'est pareil. Tout à fait. Alors, en tout cas, merci à toi, Rol, d'avoir permis de, justement de te découvrir, de passer chez nous, justement. Ça fut un excellent plaisir. Je n'avais pas prévu ça dans ma période de vacances, mais je crois que c'est le meilleur moment. En tout cas, merci. Pour nous aussi, également. En tout cas, merci à toi. Et puis, on peut te souhaiter que le meilleur pour l'année 2023. Je partirai avec ça. Voilà. Et puis, plaisir de te revoir sur scène, pourquoi pas, pour partager ta musique, ton univers musical. Voilà, c'est avec plaisir que je reviendrai ici. C'est l'occasion. C'est en je ne connais pas. Une fois que tu seras dans l'île, tu seras chez nous. Je connais l'itinéraire maintenant. Voilà, tout à fait. En tout cas, merci à toi. Merci aux auditeurs d'avoir écouté, d'avoir justement, je ne sais pas, vous avez pu apprécier justement l'artiste Harold, que vous aurez un plaisir à découvrir quand tu reviendras au pays. En tout cas, merci à toi, Paul, pour assurer la technique. Et puis, nous, les amis, on se dit à demain. Et à demain, je me retrouve, je fais aussi ma rentrée pour Belle Femme Créole, et je serai également avec Nicole Cage. Alors, restez à l'écoute et tout de suite, vous retrouverez les infos de Martinique la première. Et je vous dis à demain, les amis. Bye bye.